Le renversement de jeu encore pour trouver le joueur libre, ça c'est très bien exécuté. Et toujours un Sénégal qui va de l'avant, qui exploite des espaces. Le centre en retrait, la tête et le but pour ce but supplémentaire. 3-0 en faveur de Sénégalais. Plus fort, ils le traduisent largement au tableau d'affichage. Et encore, Papa Diallo, le vainqueur du Chan, montre qu'il est au-dessus du lot en s'offrant un doublé. Le Sénégal se détache largement et récompensé de ses efforts. La meilleure équipe est en train de gagner largement. Le Mozambique a fait les efforts qu'il pouvait. Il doit s'incliner contre plus fort que lui, tout simplement. C'est très bien amené. C'est très bien conclu. C'est une très belle séquence. Avec le centre de Souleymane Bass pour Papa Diallo, deux joueurs qui ont eu l'habitude de se trouver à Génération Foot ensemble. C'est un classique. Le centre de Souleymane Bass pour trouver Papa Diallo. Eh bien voilà le résultat. Ça termine dedans pour un score de 3-0 en faveur du Sénégal. Eh bien, on aurait du spectacle jusqu'au bout. Très joli but. Voilà la belle joie du banc sénégalais.